Les démagogues ont commencé. Partagez-moi cette vidéo. On parle aujourd'hui. Diane Kaloga, je vais bien, je vais bien. Aujourd'hui, nous sommes à une étape de la formation du gouvernement, le gouvernement de transition. Et en parlant de ce gouvernement de transition, il s'agit bien entendu d'un gouvernement qui doit avoir la mission de conduire la transition, de procéder à la refonte de l'État jusqu'à l'organisation des élections inclusives, des élections acceptées de tous. Oui, Ba Al-Moubarak, comment ça va? Merci. Benjamin Kbamou, merci d'être là. Laissez tout salut en commentaire, laissez les cœurs et partagez la vidéo, vous connaissez le système. Les démagogues ont commencé et la démagogie commence par nos médias. J'ai suivi aujourd'hui plusieurs médias en ligne, même la radio Espace, qui pensent que c'est un jeu, qui font la liste des personnes dont ils ont besoin, ils ont envie qu'ils soient nommés comme ministres. Et ce qui m'a fait rire, il y a même un des journalistes de Espace qui va jusqu'à dire non, qu'il faut recycler certaines personnes du gouvernement du professeur Alpha Condé, doivent revenir. Au fait, on a un moment où chacun cherche à faire positionner son homme. Et c'est à partir de là que je comprends que le Guinée n'est pas encore prêt à changer. On vous parle de la refondation de l'État. Refonder l'État guinéen. Et cela doit être l'œuvre des hommes intègres. C'est-à-dire, ils parlent comme s'il n'y avait pas d'autres cadres compétents en Guinée. Ils parlent comme si ce sont les mêmes personnes qui doivent toujours continuer à gouverner. C'est-à-dire, on a comme l'impression qu'en Guinée, certains sont nés seulement que pour gouverner pendant que les autres doivent être là pour subir la gouvernance des autres. C'est en dehors de ceux qui ont gouverné avec le professeur Alpha Condé. Il n'y a pas d'autres Guinéens qui sont capables. Et cette démagogie commence toujours avec les médias. Des médias de grande écoute. Hadiatou Diallo, elle dit 25 ministères est trop pour une population de 13 millions d'habitants samouraïs. 15 ministères, c'est bon. Oui, je vois, je comprends. Même si le régime du professeur Alpha Condé ne va pas servir de référence, mais ça, c'est encore mieux par rapport aux différents ministères qui existaient à l'époque du professeur Alpha Condé. Des ministères budgétivores. Mais moi, ce qui me fait mal, Adiatou, ce qui me fait mal, ce sont ces démagogues-là qui sont au sein des médias et qui sont en train de chercher à faire la promotion des médiocres. Ça fait mal. On a comme l'impression que, c'est-à-dire en dehors de ces gens-là, il n'y a pas d'autres Guinéens qui soient capables. Ils ont même déjà produit une liste. Ils ont déjà fait leur nomination à leur manière. Et ce que vous ignorez, c'est que généralement, lorsque les médias font courir des rumeurs en Guinée, généralement, on pense que le peuple adhère à cela. Ça a un impact le plus souvent sur les gouvernants. C'est pourquoi, encore une fois, même nos médias doivent changer. J'ai dit, j'entends un responsable de médias, pas un responsable, un chroniqueur, un journaliste sur Espace, qui dit qu'il faut, en quelque sorte, supprimer le principe du non-recyclage. Ceux qui ont servi avec Alpha Condé, la charte est claire. Le CNRD a été très clair. Le CNRD a dit qu'on ne va pas recycler les gens, pas de recyclage. Tous ceux qui ont servi avec le professeur Alpha Condé doivent rester en dehors de cette gestion. Mais si toi, tu es un citoyen, un journaliste, et tu te dis que tu es patriote, c'est pendant ce moment que tu dis non, il faut faire revenir certains parce qu'ils ont beaucoup fait, machin. Gaston Kualaga, il dit bonjour. Ah, ok. Oui, Adiatou, c'est des malhonnêtes. Il faut qu'on le dise. Partagez-moi cette vidéo, laissez les cœurs. Montez le mercure. C'est la vidéoconférence du samouraï. Ce sont des gens, je ne comprends pas, c'est la malhonnêteté citoyenne, ça.
Ouais, Mamadou Djuldiba, il y a trop de démagogues. Comment? Des gens qui ont mis ce pays à genoux, à cause desquels le CNRD a opéré le coup d'État. Et le CNRD a dit qu'on ne va pas faire recours à ces gens. Des journalistes se mettent à dire, c'est-à-dire les journalistes guinéens n'ont rien à faire, quoi. Que non, il faut les ramener. Parmi eux, c'est pas tout le monde qui est mauvais. Mais on s'en fout, le principe est très clair là. Et si le CNRD veut éviter des problèmes, que le CNRD évite de se mettre dans des situations pareilles. Faire revenir tous ceux qui ont plongé cet État-là dans des difficultés, ça va créer d'autres difficultés. Au lieu de résoudre les problèmes, ça va créer des difficultés. Et là, il faudrait qu'on soit très clair à ce niveau. Partagez-moi la vidéo. Souleymane Zidane Diallo, oui, il faut intervenir. Appelle, lance l'appel. Lance l'appel, tu vas intervenir. Mamadou Saliou Bari, il dit, mon frère samouraï, même dans les médias, il y a des non-patriotes. Ah oui, c'est ça. Attends, je vais voir. Comment il s'appelle? Lance l'appel, je vais accepter. Celui qui veut intervenir là. Souleymane Zidane Diallo. Souleymane Zidane Diallo. Je ne vois pas. Ok, tu peux lancer. Souleymane Zidane, j'ai activé. Tu peux lancer pour intervenir. Tous ceux qui veulent intervenir, vous pouvez lancer l'appel. J'ai activé. Mamadou Sylla. Ok. Souleymane Zidane. Oui, j'ai accepté. Bonsoir, cher samouraï. Bonsoir, mon samouraï Souleymane Zidane. Comment Comment ça ça va? va? Ça va par la grâce de Dieu. Je vous entends pas. Je sais Pourtant, pas nous, si on vous vous me entend. recevez, mais moi, je vous entends pas. Je vous reçois très bien. Je vous reçois très bien. J'ai augmenté le volume. Moi, je vous reçois. Vous allez bien? Ça va par la C'est grâce de par Dieu. rapport à ce qui se passe la nuit là. Moi, je vois plein de trucs. Voilà, Oui. sur Facebook, on dit il y a quatre anciens ministres qui sont reconduits. Je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je n'ai pas encore vu le décret. Hein. Est-ce que le gouvernement a mis en place? Je n'ai pas encore vu le décret. Parce que je vois le truc. Franchement, j'ai vu des trucs sur la page de Tata Koura là. Il m'a effrayé. Franchement, je viens de voir ça. Parce qu'ils ont dit il n'y a pas de recyclage, non? Oui, c'est Alors. ça. Franchement, il y a trop de rumeurs, mon frère. Il y a trop de rumeurs. Mais est-ce que un décret est déjà passé, le décret de formation du gouvernement? Non, Moi, je n'ai pas pas encore vu. encore. À moins que je sache. Ouais. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Il y Oui. a trop de démagogues. Il y a Franchement. trop de démagogie. Il y a trop de démagogie. Franchement. La Guinée, que Dieu nous protège. Parce Amen, amen, qu'ils amen. essayent de mélanger tout le monde. J'ai appris aussi le média, Juma, c'est Juma Média, a été attaqué hier, c'est vrai ou Joma. pas? Oui, Joma Media a été attaqué hier. Alors, on va parler de cela dans la deuxième partie de la vidéoconférence. Joma a été attaqué. On ne sait pas les raisons, Ouais. mais Joma a été attaqué. Ok. Ça va. En tout cas, nous sommes là, voilà, nous sommes tranquilles, hein, franchement, parce que. On veut franchement un gouvernement cette fois-ci. Voilà. Tu comprends, mon frère? Ouais, non, mais c'est. Voilà. Moi, ma recyclage, on m'a dit, franchement. Sinon. Ça, c'est clair. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Franchement, je suis très Ah. ravi de faire ta connaissance. Voilà, Merci, je te suis tout Zidane. moment. Voilà, on est ensemble. Franchement, tu es un vrai combattant. Que Dieu te protège. Merci. Amen, amen. Que Dieu nous On est protège tous, Zidane. ensemble. Voilà, je vais te laisser. Et demain, je serai au boulot le matin. Inch'Allah. Yep. Si bien, le temps pour moi de recevoir deux autres personnes qui Ouais, je veulent. salue tout le monde. Merci, Dieu. Merci, Merci. Bien des Samouraï. choses à la famille. Merci. Merci, je ne manquerai pas.
Voilà. Merci à notre ami Zidane. Bon, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas encore vu le décret passer. Bon, peut-être je n'ai pas eu l'occasion de. Adiatou Diallo. Allô? Comment ça va? Ça va, Samoura, ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Ah, en fait, ce concernant les médias guinéens, là, il faut qu'il arrête parce que là, les médias, normalement, ils doivent être à la disposition de la population, donner des bonnes informations. Mais si eux, ils sont là juste pour. Je ne sais pas s'ils sont payés par les gens pour donner des informations qui n'est pas à la portée de la population, ça ne sert à rien. En plus, ceux qui parlent de recyclage, là, ça ne sert à rien. Nous, on veut des gens qui sont vraiment, qui ont de l'expérience, qui veulent vraiment travailler pour le pays, pour le bien de la population, surtout au niveau des ministères qui essaient de réduire ça à 15. Dur là, je sais pas, poste secrétaire des affaires religieuses, ça, des postes de secrétariat là, qui essaie de réduire ça en une, quoi. On a seulement, c'est que si on a vraiment des gens qui ont de bonne volonté, samouraï, seulement les recettes douanières qu'on a en Guinée, les recettes douanières, les impôts, on peut commencer à faire quelques infrastructures avec ça, construire des hôpitaux. On a des recettes. On a des recettes en Guinée. On n'a pas besoin d'aller demander des aides ou aller demander des crédits. On a tout. Seulement, c'est la bonne volonté que les gens n'ont pas. Imagine Je suis quelqu'un, il d'accord. travaille pendant 30 ans. Il travaille dans un gouvernement pendant 30 ans. Tu ne veux pas partir. Ils sont là avec leurs enfants, ils sont là à mettre leurs connaissances. Ça, c'est de la malhonnêteté, ça. C'est de la, excusez-moi des termes, c'est de la malhonnêteté. Il faut qu'ils comprennent que tout le monde veut. On est tous mieux chez nous, quoi. Nous, on en a marre de rester à l'aventure, à rester ici. Et tu sais que quand tu rentres chez toi, tu seras utile. Au moins, ils essaient de penser à la population. On n'a pas d'hôpitaux. On n'a pas d'infrastructure, ce qui est de route ou je ne sais pas quoi. Ils n'ont qu'à, déjà, ceux qui ont construit des biens, je ne sais pas, des maisons, là. Merci pour les anciens voleurs qui ont investi en Guinée, là. Juste ça va nous apporter quelque chose par rapport à certains qui ont pris de l'argent pour sortir financer ailleurs. Il faut que M. Doumbouya, le nouveau président, là, il essaie de faire beaucoup, beaucoup attention. Il a dit qu'il n'y a pas de recyclage. Nous, on n'a plus besoin des gens qui sont là, qui pensent à Vraiment, leur intérêt personnel, qui ne pensent pas à la vraiment, on n'en a pas besoin. population, qui ne pensent pas à la population, qui ne pensent pas à la population, qui pensent à eux seulement, à leur famille, juste pour leur bien. Et à un certain moment, il faut savoir faire la part des choses. Il faut qu'ils essaient de faire stop. Le monde est fatigué. Le monde est fatigué de ces gens-là. Ils arrêtent. Le monde est fatigué. Les médias guinéens qui sont en train de faire des trucs de démagogie, là, c'est des gens à saboter. Il ne faut même pas les écouter. Il faut même pas les écouter. Je ne sais pas si eux sont là pour le gouvernement ou pour les malhonnêtes ou bien s'ils sont là pour la population. Il faut faire la part des choses. Franchement, merci beaucoup, Samouraï, ce que vous faites pour nous, là. Là, bien devant, Merci on doit bien. bosser, là. Allez me Merci pousser. bien, Samourine. Merci. Merci, le combat Mer continue merci. et qu'on ne cède pas. Qu'on ne cède pas. Mer Continuez à dénoncer. merci bien, ma chère. Merci pour le combat. Bye, Oui, ciao, merci. OK. ciao. Bye. Voilà donc notre Samourine depuis Paris, Adiatou Diallo. Alors, je vais recevoir un autre qui a son mot à dire, Norwich. Norwich l'a joué en cours. Voilà, ça fait mal, hein, ça fait mal. La démagogie, on doit arrêter la démagogie dans ce pays. Il faudrait qu'on arrête la démagogie dans ce pays. C'est de cela qu'il s'agit. Bonsoir, Norwich. Absolument, absolument. Dieu merci, Dieu merci. Et puis on doit vivre en tant qu'une nation. On ne vit pas Oui. en pays ou région. Oui, je suis Comprends? d'accord. Mais attends, on dit ce qu'on veut, on fonde.
Ne suis pas retard, moi, je ne comprends pas. Ok. Allô. Nous, en tant que Guinéens, nous devons travailler ensemble main en main. Ouais. Tu sais, comme on dit en polar, même le patron a besoin du dernier domestique de la maison. Ouais. Même si c'est juste pour jeter la poubelle dehors. Mm-hmm. Tu comprends? So, on n'a pas seulement besoin de docteurs, de professeurs, on a besoin de tout le monde. Chaque Guinéen doit porter sa part. Tu comprends? Mais la seule chose, la plus importante, c'est la justice. Si la justice travaille, toi, moi, tout le monde travaille. Mm-hmm. Plus souvent, les gens regardent, disent, oh, les Européens sont disciplinés, les Européens... Non, les Européens sont disciplinés. Les Européens ont perdu leur loi. Ouais. Si la loi est appliquée, crois-moi, les gens vont faire ce qu'ils doivent faire. Mais tant que moi, j'ai fait dégâts, je viens devant toi, Théa, tu dis que tu as fait mal. Je dis, ok, j'appelle mon parent qui est Peul, qui est Soussou. Il vient, il te gronde. Tant que ça marche chez nous, on n'ira pas. Mm-hmm. Tu comprends? Tant que par exemple, quelqu'un au pouvoir, c'est un Peul ou un Soussou, il met tout le sujet comme Alpha Condé l'a fait, on n'ira pas en avant. Ça, c'est clair. Tu comprends? Si tu regardes ici, regarde tous les postes, 80% des postes, il a donné à ses parents. Ses parents ne sont pas qualifiés. Mm-hmm. Mais moi, je dis aux gens, la route qui mène à Mamou, c'est la même route qui mène à Kanka. Mm-hmm. Tu comprends? Ça veut dire qu'on va galérer ensemble et on va aussi vivre du bien ensemble. Mm-hmm. Ça, c'est tu comprends? Donc, je suis d'accord. Mais eux, ils ont cru que c'est eux ceux qui peuvent faire, que c'est ceux qui sont bien. L'autre fois, quand on a demandé à Alpha Condé, il a dit non, c'est comme en France, si comme ça, le côté, si le gauche, Anche qui roule. Mais il n'y a pas de ça en Guinée. Pourquoi? Les Malinqués font peut-être 20-25%. Il a dit qu'il a gagné plus de 50%. Soit comment il se fait que 80% des postes sont devenus à 16 ans? Mais les plus grandes victimes aussi, ce sont les Malinqués. Tu sais pourquoi? Tous les autres regardent, disent, ah, c'est les Malinqués qui roulent. Mais le Malinqué souffre comme le peuple ordinaire. Ouais. Tu comprends? Tout et en plus, c'est encore, la haine des autres ethnies contre eux. Tu comprends? Mmh. Alors que la pauvreté ne discrimine pas. Mmh. C'est le mal que Alpha a fait. Elle n'a pas voulu diriger. Alpha a voulu détruire Dalin et tous les peuples. Il a pris plus d'efforts à faire ça que de construire le pays. Ça a été sa plus grande faute. Si tu regardes, l'épisodisme a tellement fleuri, a tellement eu de la place ces dernières années, c'est effrayant même quoi. C'est effrayant, crois-moi. Je souhaite ça, je ne souhaite pas ça à aucune autre ethnie, à aucune autre personne. Je ne sais pas ça. Parce que ça fait vraiment mal. Si tu vois, par exemple, la célébration de 2 octobre, ici, tu as vu combien de gens ont fait, combien de soucis sont sortis. Mais avant, c'est Alpha Condé et son clan. Même si tu es malinqué, tu vois, c'est Alpha et son clan. Mais cette fois-ci, tout le monde sait tout le monde est concerné. Tu comprends? Ouais. Je sais bien une chose. Par exemple, Alpha, il a créé. Il a voulu créer ce qu'on appelle Mandé Ndialo. L'autre fois, je te dis, je voulais parler de ça. Mm-hmm. C'est une longue histoire. Mais, plus souvent, les gens jumpent en avant, c'est tout. Le chroniqueur de RPG, il dit, oh, les peuples ont fait esclavagisme là. L'esclavage, c'est dans toutes les sociétés du monde. Dans toutes les sociétés du monde, l'esclavage a existé. Moi, je dirais, heureusement, chez nous, c'est fini. Ça. Les lois, les choses ne permettent pas ça. Tu comprends? Moi, en tant que Noir qui vit ici, je vois les ségrégations. Je ne vais pas voir ça chez moi. Tu comprends? Donc, quand je vois par exemple, ça, des gens qui viennent en Europe, ils vivent ici, ils rentrent, et puis ils ont encore la tête, dire que moi, je suis supérieur, moi, je suis malinqué supérieur, j'ai peur pour eux. Qu'est-ce que tu as appris quand tu as quitté chez toi? Tu viens en Europe, on fait discrimination contre toi, tu vas chez toi, tu supportes des choses comme ça. Tu comprends? La nation qui est arrivée au foot, hein,
excellente société. Encore moi, je blâme ça en religion, l'islam, le christianisme. C'est eux qui ont prêté les armes, qui ont accepté l'esclavage. Pour cela, les communautés ont accepté. Alors oui, si vous acceptez, comme on avait eu à le dire, on va organiser un débat spécial sur ça pour mieux éclairer la lanterne des uns et des autres, si vous acceptez. Non, non, je comprends. Je comprends. Parce que j'ai le potentiel, j'ai voulu sauver la discussion.